Coucou mes projecteurs, j'espère que vous allez très bien. Voilà, comme vous pouvez constater, je suis à Bafoussam. Vous savez, j'avais un marché à faire ici à Bafoussam. Depuis le matin, je n'ai pas mis de vidéo en ligne parce que j'étais trop occupé. Alors, je vais commencer déjà par souhaiter mes condoléances à notre frère Blaise Kalaba qui nous a quittés ce matin, cette nuit. Suite d'un accident, un jeune influenceur qui vient de nous quitter également. Il est décédé. On nous dit qu'il était à bord de sa voiture avec quelques membres de sa famille et tous sont partis. Que leur âme repose en paix. Mais ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, à Bafoussam, partout où je passais, c'était me poser la question, pour ceux qui avaient le courage de m'aborder, Franco, tu as quel âge? C'est-à-dire, tellement les jeunes meurent qu'on a comme impression que 2024 ne va même pas trouver un jeune Camerounais en vie. Ce que je voudrais rappeler aux gens, ceux qui viennent surtout me demander que j'ai quel âge là. Vous pensez que ce sont seulement les artistes qui sont en train de mourir. Vous me demandez que j'ai quel âge justement parce que ce que vous voyez sur les réseaux, ce sont les gens qui sont connus. Allez sur les axes lourds et voyez les accidents qui se passent sur les axes lourds. Allez voir les jeunes qui meurent. Allez à la morgue, comme je vous dis souvent, voir les levées de corps des jeunes. Ce n'est pas seulement dans le secteur de l'art ou des influenceurs, comme vous dites là. Un moment, c'était Opération 33 ans. Mais on nous dit que notre jeune fessier qui est parti avait 27 ans, étudiant. Ce que je voudrais en dire, c'est que suite à ces multiples cas d'accident, parce qu'il ne faut pas seulement penser à tout ce que d'autres viennent aussi dire, seulement que oh, c'est les loges, c'est les huiches. Je n'exclus pas cela, mais je voudrais rappeler, je voudrais dire que il faudrait que le gouvernement essaye de voir encore dans quelles conditions on donne les permis de conduite aux jeunes. Parce qu'il ne faut pas négliger ce côté, ce facteur-là. On va parler toujours l'état des routes. Nos parents qui sont vieux là, ils ne veulent pas dire que les routes sont bonnes. On le sait bien. Mais nos parents, qu'on dit chaque jour que ce n'est que les jeunes qui meurent, quelqu'un a même répondu un temps que vous dites que ce sont que les jeunes qui meurent, c'est les vieux qui devaient mourir. Qui veut mourir? Personne ne veut mourir. On ne dit pas que ce n'est que les jeunes. Pourquoi appelle pas les vieux? Personne ne veut mourir. Et la personne avait raison. Mais ma préoccupation, c'est que ces jeunes-là, ne voyagent, ces vieux-là, que vous demandez qui, pourquoi ils ne meurent pas aussi là, ils n'empruntaient pas toujours les mêmes routes que nous empruntons aujourd'hui là, que nous sommes en train de mourir. Ce n'est pas les mêmes routes que nous sommes en train de mourir dessus aujourd'hui là, qu'ils ont passé toute leur vie à emprunter pour faire le déplacement. C'est la question que je me pose. Donc, franchement, il faut qu'on mette un peu l'accent sur le permis de conduire. Et c'est avant qu'un jeune, puisque vous voyez, un jeune aujourd'hui, dès qu'il connaît déplacer la voiture, pam, il veut aller seulement au village montrer à ses amis, il veut aller seulement aller ici, il faut y apprendre l'axe lourd, alors qu'il ne maîtrise même pas bien la conduite. Il y a aussi ça. Ne voyez pas seulement la sorcellerie, les amis, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Et je voudrais dire à ceux aussi qui m'appellent chaque fois pour me dire, Franco, et à qui le prochain? Qui sera le prochain? Oh. Quand vous me posez la question là, c'est pour me dire quoi? Il faut arrêter, enlever la malédiction sur les gens. Hein. Chacun sait où il met son pied. Si tu sais intérieurement, au fond de ton cœur, que gars, moi, je sais comment je marche, tu vas avoir peur de quoi? Tu vas avoir peur de quoi? Mais si tu sais que où je mets mon pied là, d'un moment à l'autre, la cotisation peut arriver sur moi. Si tu vas passer les nuits blanches, mais si tu ne te reproches de rien, mon ami, garde ton sang-froid. Tu es tranquille. On se comprend, non?
On ne pensait pas que le cœur de Franco bat. Il ne veut pas dire que quand je vois mes jeunes frères partir aussi tôt comme ça là, ça me plaît. Non. Mais c'est pas aussi pour une raison de dire que moi j'ai peur. Je ne me reproche de rien. Ne m'appelez plus, ne m'abordez plus. Si quelqu'un m'aborde encore pour me poser ce genre de questions sur le coup de pied qu'il veut lui donner. Parce qu'on ne marche pas ensemble. Vous ne connaissez pas mes marches. Vous ne connaissez pas avec qui je marche. Vous ne connaissez pas comment je vis. Arrêtez de venir dire que Franco, tu n'as pas peur des gens, des jeunes qui ne font que partir tôt, machin, truc, tout ça là. L'autre vient prendre le courage, ça me demandait que tu as quel âge. Quel âge de tes grands-parents? Il faut arrêter la magie. Hein. C'est quoi? Voilà, donc, les amis, c'est la petite vidéo que je voulais vous faire ce soir. Je suis à l'ouest. Et quand vous prenez même souvent les axes lourds, là, comme je parlais de la conduite, vous voyez, allez un peu en route, voir comment les jeunes la conduisent en route. Les mauvais dépassements, hier même, quand je suis parti de Yaoundé pour Douala, il est que devant moi-même, on a raté. Hein, tu te rappelles, face à face, que le gars là devait faire le mauvais dépassement qu'il a fait parce qu'il voulait montrer qu'il sait trop conduire, puis qu'il est plus rapide au volant ou sur l'accélérateur que moi. Il veut me montrer qu'il sait trop conduire. Il passe, il fait le dépassement au virage. Une autre voiture est sortie là, a esquivé l'entrée en brousse. Regardez l'action. Mais si on va dire l'accident, on va dire les loges, on va dire tout et tout. C'est la mauvaise conduite. Peut-être même 80%, c'est la mauvaise conduite. Toujours pressé. Et on ne sait même pas où ces gens-là sont pressés. On sait où ils partent, où. On ne sait pas. On court comme ça pour aller s'asseoir quelque part à Makéléné ou bien à Tonga ou prendre la bière, taper les commentaires. Il n'y a pas deux choses. Mais de toutes les façons, que Dieu nous garde. C'est tout ce que je peux vous dire. Les amis, partagez la vidéo. C'était au général Fongo. Vous savez que la page est restreinte, non? Encouragez-moi, les amis. Si quelqu'un est nouveau, si quelqu'un vient de me découvrir, abonne-toi. Bisous.